c'est pas commun. C'est déjà, on m'avait dit que ça allait être compliqué par rapport au classement de l'équipe adverse. Mais à ce point-là, je pouvais pas l'imaginer. Et puis, bon, le match était très difficile avec une équipe qui était vraiment engagée. Béjaïa qui a joué le maximum, qui a fait le maximum pour gagner. Nous, on était bien en place et faut souligner le courage de l'arbitre. C'est vraiment, il a été solide, il y a eu beaucoup de pression. Puis après, il y a cet après-match qui est, je sais pas, c'est comme la guerre, quoi. J'ai pas connu la guerre, mais ça doit être pas loin, quoi. Tu voyais des blessés partout. Pour rentrer sous le tunnel, vous recevez des projectiles. Ça, ouais, c'est bizarre. Ça, en tout cas, je pensais pas qu'on pouvait connaître ça en 2019. Et bien évidemment, après, on sort, on a un peu... Le résultat passe en second plan, parce qu'on voit des blessés. J'ai vu les supporters de l'USMA blessés. Ça me touche beaucoup. C'est des blessures ouvertes. Ouais, c'est... J'espère que c'est pas trop grave. J'espère qu'ils vont bien se remettre. En tout cas, les joueurs et moi-même, on a une pensée pour eux. On espère qu'ils seront là le prochain match pour nous aider, parce que c'est une période difficile. Mais toutes nos pensées vont vers eux pour que, j'espère, ce soit pas trop grave. Oui, c'est un moment très important de la saison. Déjà, les matchs retour sont différents. C'est avec beaucoup d'âpreté, il faut jouer chaque point, il faut les gagner sur le terrain, c'est difficile, le contexte est difficile. Et donc à domicile, il faut qu'on carbure à 100%, parce qu'on va bientôt s'approcher du sprint final, du money time, et il faut qu'on soit bien placé. Pour l'instant, on a un petit matelas d'avance, si on peut l'agrandir, c'est très bien, si on peut le consolider, c'est très bien aussi, et il faut bien préparer ce match, rien n'est facile. Et les équipes qui nous suivent ont chuté, en tout cas ont laissé des points chez eux. Et moi j'ai toujours dit aux joueurs, il y a deux paramètres très importants. La régularité pour être champion. Et puis tous les petits points, les points que tu perds contre les équipes mal classées. C'est ça qui fait que tu peux être champion. C'est pas les gros matchs. Les gros matchs, on est présent, il y a trois points. Mais tous ces points qui sont perdus à longueur de saison, font que tu es champion ou pas champion. Donc c'est un match important contre un mal classé. Et donc on va bien le préparer, déjà récupérer. Il n'y a qu'à regarder le classement. Si on a plus 5, c'est en grande partie grâce au public. Ils nous ont toujours encouragés. Ils ont toujours été derrière nous, même dans les moments difficiles. Et je crois que là, c'est un moment important. Je crois que le championnat va... se joue dans beaucoup de moments, mais ce moment-là est vraiment très très important. Et si on veut faire une performance, c'est avec eux. Sans eux, on est beaucoup moins fort, donc j'espère qu'ils seront derrière nous. Si c'est difficile, ils seront derrière nous, ils ont toujours été derrière nous. En tout cas, on essaiera de faire que ce match soit le plus facile possible, mais à l'heure actuelle, je crois qu'il n'y a rien de facile. Donc on se prépare à lutter, et avec nos supporters, on sera beaucoup plus fort. Donc, on les attend avec impatience, ils nous ont manqué contre la Saoura, et là on va faire un grand match ensemble.